Bon matin à ceux qui sont là avec nous pour la méditation matinale. Je vais vous laisser quelques minutes pour pouvoir vous connecter tranquillement. Donc, prenez tout le temps qui vous est nécessaire là, pour vous installer. Vous créez un environnement confortable et propice à pouvoir méditer. Donc, pour ceux et celles qui se joignent à nous présentement, pour la méditation de ce matin, on a besoin simplement d'un tapis, d'un coussin pour vous permettre d'être un peu plus confortable dans votre méditation. Peut-être même une couverture pour vous garder au chaud. Puis, je vous invite à vous placer dans une pièce relativement calme, un endroit où ça va être propice pour vous de vous déposer. Et même si vous avez envie là, de vous créer un espace rituel, un endroit où vous faites peut-être diffuser des huiles essentielles ou un petit peu d'encens, peu importe, là, prenez le temps d'arriver, de vous installer. On va commencer dans environ 2-3 minutes. Donc, bon matin Cécile, bon matin à tout le monde qui est là présentement, puis également à ceux qui vont faire la méditation en rediffusion. Je sais que c'est pas tout le monde qui peut la faire le live avec nous ce matin, donc n'hésitez pas à la refaire plus tard. Alors, bon matin tout le monde. Je vois présentement qu'on est, on est 18. C'est super. Bienvenue à ceux et celles là, qui vont peut-être se connecter un petit peu plus tard, qui vont la refaire peut-être en rediffusion. Alors, je vous souhaite bon matin. J'espère que la nuit a été douce pour vous. Que vous allez bien, peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faites. J'aimerais juste, avant qu'on commence la méditation de ce matin, que vous m'envoyiez peut-être juste des petits cœurs ou des petits pouces pour me dire si le son est bon, si la connexion Internet est bonne. Je sais qu'on a un petit peu là, de difficultés avec Internet au niveau de la connexion, là, je vois qu'on passe des fois de 20 personnes à 3. Fait que, tu sais, ça varie vraiment là, en fonction de... OK, super! Avec les petits pouces, les petits cœurs, ça me confirme que tout est beau. Alors,
Comme je vous disais, je me répète parce qu'il y en a qui se joignent à nous là, à mesure. Je vous souhaite premièrement bon matin. Merci d'être là, de prendre ce temps-là pour vous, pour vous déposer, pour méditer. Sachez que vous soyez expert, habitué à la méditation ou que vous soyez débutant, débutante, vous êtes la bienvenue ce matin, vous êtes bienvenue telle que vous êtes, avec votre expérience ou non. La méditation de ce matin, j'avais envie de la porter sur la gratitude parce que on en parle beaucoup, là, puis on revient souvent sur le sujet, mais avec la situation qu'on vit présentement, ça peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de voir du positif là-dedans ou de ressentir de la gratitude par rapport à ce qui se passe. Donc, j'avais envie de nous permettre de bien commencer la journée aujourd'hui, puis plutôt que de se lever, puis de encore une fois ruminer les points négatifs, ben pourquoi pas noter les points positifs de tout ça, puis prendre le temps de déposer nos intentions, de reconnaître également nos gratitudes par rapport à la situation présente. Alors voilà pour ce qui est du sujet de notre méditation d'aujourd'hui. Ça va être une méditation qui va se dérouler en pleine conscience, donc je vais vous guider à travers la méditation. La seule chose que vous avez besoin présentement, c'est de vous placer dans une pièce relativement calme, peut-être de vous procurer une couverture pour être sûr d'avoir chaud, d'être bien. Parce qu'on le sait, hein, quand on a froid, qu'on est inconfortable, mais ça peut faire en sorte qu'on est déconcentré dans notre méditation. Vous pouvez également, si vous voulez, peut-être vous mettre une petite musique douce en fond, peut-être diffuser une huile essentielle pour vous permettre de vous calmer, de vous déposer. Et moi, pour ma part, là, vous ne le voyez pas présentement, je vais essayer juste de diriger la caméra dessus, mais moi, souvent, quand je fais ma méditation, j'aime bien me faire un petit espace rituel, donc déposer des cartes, déposer des éléments de la nature devant moi ou d'utiliser des cristaux pour pouvoir déposer mes intentions à l'intérieur. Et là, je sais que ça peut être un petit peu ésotérique pour bien des gens. Donc, sentez-vous à l'aise de le faire si vous désirez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça non plus devant vous. Alors voilà. Donc, on va débuter notre méditation maintenant. Vous avez le choix d'être en posture assise. Ou si vous désirez ce matin la faire coucher, vous pouvez également. Faites juste attention là, de pas vous endormir. Donc, peu importe la posture que vous adoptez pour votre méditation matinale. Prenez le temps de fermer les yeux. Et vous permettre d'arriver ici et maintenant. Je vous invite à profiter de vos premières respirations pour entrer en contact avec votre corps physique. Et également entrer en contact avec votre mental. Comment arrivez-vous dans l'instant présent ce matin? Est-ce que vous vous sentez plutôt agité? Ou vous vous sentez calme,
serein. Prenez le temps de noter de quelle manière vous arrivez ici et maintenant, en reconnaissant que tout est bon, tout est parfait. Permettez-vous de vous accueillir tel que vous êtes, avec la réalité qui vous habite présentement. Inspirez le calme. Et expirez la détente. De manière à vous permettre de vous déposer de plus en plus dans votre souffle. De vous déposer de plus en plus dans votre corps physique. Et de permettre à votre mental, ainsi qu'à votre corps physique, d'entrer en union ensemble dans cet espace-temps. Dans le moment présent. Dans le moment présent où le passé et le futur n'existent pas. Permettez-vous d'explorer votre instant présent à travers chacun de vos sens. Qu'est-ce que vous entendez? Autant les bruits lointains que les bruits qui semblent plus rapproché de vous. Observez les points de contact de votre corps contre le sol. Est-ce que votre moment présent a une odeur particulière? Est-ce qu'il y a un goût particulier? Et qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de vous? Derrière vos paupières closes. Utilisez votre respiration comme un outil pour vous permettre de vous déposer davantage. Ici et maintenant, sachant que vous n'avez nulle part d'autre où aller et vous n'avez rien d'autre à faire présentement que de respirer et de vous laisser envelopper par l'instant présent.
ce moment où tout est parfait. Observez de quelle manière votre respiration se dépose dans votre corps. Et comment votre corps se dépose dans votre souffle. Et plus vous entrez dans cette expérience du moment présent, plus vous arrivez à percevoir les sensations physiques qui vous accompagnent. Et peut-être que vous observez que votre esprit vagabonde. Et si c'est le cas, sans porter de jugement, avec compassion, faites simplement ramener doucement votre attention sur votre respiration, sur les battements de votre cœur. Ou peut-être sur une sensation physique. Et maintenant que notre corps et notre esprit sont bien déposés dans l'ici et maintenant. Je vous invite à prendre un moment pour faire résonner en vous le mot gratitude. Lorsque vous répétez le mot gratitude, un peu comme un mantra, qu'est-ce que ça fait résonner en vous? Qu'est-ce qui remonte à la surface? Laissez chacune de vos cellules s'imprégner de la vibration du mot gratitude. En quoi avez-vous de la gratitude ce matin? Et dans votre quotidien? Laissez ces gratitudes remonter.
peut-être, est-ce que vous ressentez de la gratitude d'être en santé? D'avoir la chance d'avoir un toit, d'avoir une maison où vous vous sentez en sécurité. Peut-être est-ce que vous ressentez simplement la gratitude de pouvoir respirer. De pouvoir manger. D'avoir de la gratitude envers votre capacité d'aimer et d'être aimé. Peut-être est-ce que vous ressentez également de la gratitude envers certaines personnes, envers votre conjoint, votre conjointe, de la gratitude pour votre famille. Avoir de la gratitude pour vos amitiés qui sont riches. En quoi avez-vous de la gratitude aujourd'hui et dans votre vie? Permettez-vous d'honorer tous ces éléments, auxquels vous avez beaucoup de gratitude. Beaucoup d'amour. Peut-être est-ce que vous êtes rempli de cette gratitude d'avoir du temps pour vous. D'avoir du temps pour honorer votre essence. Prendre soin de la personne que vous êtes. Avoir du temps pour prendre soin de vos enfants. Peu importe quelle est votre réalité. En quoi avez-vous de la gratitude? Respirez profondément. Et laissez votre cœur parler pour vous. Et ressentez que plus vous arrivez à identifier ces éléments de gratitude, plus votre énergie s'élève
plus votre corps vibre d'une énergie positive. Et imaginez maintenant que toute cette énergie, cette lumière qui vous habite, vous arrivez à la transmettre autour de vous. Visualisez votre maison qui se remplit de cette énergie de gratitude et d'amour. Et qu'à une plus grande échelle maintenant, cette gratitude se répand dans votre quartier, dans votre ville, que cette gratitude se répand à travers le Québec en entier, à travers notre pays et même à travers le monde et l'univers. Cette lumière remplie de gratitude que vous portez en vous. Laissez-la briller tout autour de vous. Respirez dans cette lumière. Laissez-vous enivrer de cette lumière, de cette énergie positive. Et puis, tranquillement, avec douceur, prenez le temps de revenir ici et maintenant en remontant tranquillement les couches de votre être. On revient doucement reprendre contact avec notre environnement immédiat. Si vous étiez en posture couchée, prenez le temps de revenir vous asseoir dans une posture de méditation. Et c'est ici que je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment ensemble pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs et porteuses de ces belles énergies, on dit qu'on est semblables et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur, namasté. Merci d'avoir été là ce matin. J'espère que ça vous a fait un grand bien.
Et rappelez-vous de cultiver le plus souvent possible cette gratitude-là dans votre quotidien. Et vous allez voir que c'est une énergie qui est très positive et qui influence très facilement les gens autour de nous. Donc, si tout le monde peut de plus en plus intégrer la gratitude dans notre quotidien, bien, ça fait en sorte que l'énergie qui vibre à l'intérieur de nous est une énergie positive. Puis, même si ça semble un peu ésotérique comme concept, je suis persuadée que cette énergie-là, bien, elle influence positivement les gens autour de nous. Puis, ça fait vraiment du bien de le faire. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Puis, on se revoit tout bientôt. Merci beaucoup.